Bonjour! Bienvenue au deuxième épisode des Lunch avec Selena. Aujourd'hui, on est au Portugal, au restaurant Helena. On va rencontrer Marc Perron, associé directeur de la région de Québec pour Deloitte Canada, également ancien président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal de 2001 à 2002. Vous savez, Marc, c'est un hyperactif de la gouvernance. Il siège entre autres sur le CA de Adopt Inc., Quartier d'innovation et la Fondation de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Alors, êtes-vous curieux de le rencontrer? Moi, oui. Allons-y! J'en suis dans ma quatrième année. Un mandat qui est axé sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc, quand je suis rentré en poste, pour moi, il y avait deux priorités absolues qui tournaient autour de l'innovation et l'entrepreneuriat. Puis c'est à la base de tout ce qu'on fait, de toutes les décisions qu'on prend. Puis je pense que les résultats prouvent qu'on a misé juste en ayant un mandat comme celui-là. Mais je dirais pas que je me suis fait imposer des limites. Peut-être que je me suis jamais arrêté à ça. Donc pour moi, ça n'a jamais été quelque chose qui a été un frein ou quelque chose. Au contraire, je dirais qu'on m'a plutôt proposé plusieurs opportunités. Plusieurs opportunités de sortir de ma zone de confort, de prendre des rôles différents, de m'impliquer dans la communauté. Par contre, j'avais des limites personnelles. La plus grande limite, je viens d'une région, je viens du Saguenay. Okay. J'ai étudié à l'Université de Sherbrooke. Donc, quand je suis arrivé ici à Montréal, la vérité, c'est que je ne parlais pas un mot en anglais, ou très, très peu l'anglais. J'ai demandé un transfert qui a été accepté à notre bureau d'Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Donc, en 1997, je suis parti pour 2 ans aux États-Unis, travailler avec des collègues là-bas. Je conduisais pour me rendre là-bas la première fois. Je suis arrêté dans le sud des États-Unis, dans un KFC, un Kentucky Fried Chicken. Fait que j'arrive au comptoir pour commander, puis j'ai dit, je vais faire ça facile, que je vois sur la pancarte. Je vais prendre un Value Meal Number One. Fait que là, la personne en face de moi commence à me poser plein de questions. What do you want as a side dish? Fait que, French fries, yes. Mashed potato, yes. Cornbread, yes. Je comprenais pas la question, fait que je disais yes, yes à chaque question qu'elle me posait pour me rendre compte à la fin que c'était le side dish puis j'avais un plateau qui était full de... La notion de la limite est très intéressante pour Marc Perron. En fait, pour chaque limite, il voit une opportunité. Lorsqu'il y a eu la limite de la barrière à la langue, il s'est créé l'opportunité pour aller à Atlanta. Aujourd'hui, il sera Chief Client Officer à travers le Canada pour Deloitte. Alors, changez vos limites en opportunités. À la prochaine!